Et voilà, je vous reprends sur une petite vidéo pour vous expliquer que dans la précédente vidéo, après chaque fin de rang, on fait une maille bride normale, individuelle dans la dernière maille ici. Et dans la première maille du début de rang de chaque rang, on fait une maille coulée. Et après, en chaque début de rang, à partir de la maille coulée, on fait deux mailles en l'air et on continue le même principe tout le tour pendant 18 rangs de mailles brides normales individuelles, une dans chaque maille, une maille coulée et deux mailles en l'air. Et je vous montre les deux mailles en l'air. À chaque début de rang qui recommence, donc je fais une maille coulée et deux mailles en l'air. Et puis après, je fais un jeté et je commence ma première maille du début du rang, toujours par en dessous de la maille précédente du précédent rang déjà créé. Et je continue tout le rang, la même chose, des mailles brides normales individuelles, une maille dans chaque maille. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines et prochaines vidéos. La maille bride normale, la maille coulée et deux mailles en l'air à chaque début de rang.